charmante localité avec un café de la paix. Avant la course, à chaque étape, un petit air de kermesse. On gonfle la structure, on distribue les t-shirts. Alors le slogan, c'est « mange du pain et cours bien ». Les sucres lents. Et sur un petit air de musette, le départ peut alors être donné par les édiles locales. Mais ne vous y fiez pas, côté effort, le Tour de France en courant n'a rien à envier à son grand frère cycliste. Près de 2700 km à parcourir en relais de Moguio dans l'Hérault à Bernay dans l'Eure, une affaire de vrais sportifs. Ça représente plus d'un semi-marathon par jour pendant 15 jours, donc pas facile. Mais ça fait une bonne prépa pour le marathon. On vient tous pour des objectifs pour l'année, donc ça nous fait des bonnes prépas pour la suite de la saison. Car tout au long des 190 km quotidiens, les équipes de 8 coureurs se relaient comme bon leur semble. Cette année, 8 équipes ont relevé le défi. Des Belges, reconnaissables à leur humour. Je suis pas aussi beau que Miss Belgique, mais à ma vie, je cours plus vite. Mais aussi des militaires de l'armée de terre et des copains de club. L'intérêt, c'est justement de découvrir un pays qui est magnifique. On y découvre des paysages, on y découvre une certaine gastronomie. C'est également de prendre des coureurs qui sont des individuels, qui sont des marathoniens qui n'ont pas abandonné et ils sont condamnés à s'entendre pendant 2 semaines. Une alchimie unique pour une course hors norme. Yes.